Eh bien bonsoir à tous, normalement le micro est bon, bonsoir à tous, comment allez-vous? On est donc parti. Bon, voilà, ça fait un petit moment, et oui, puisqu'on a prévu des trucs, j'ai eu mon week-end, et puis ce week-end, je sais pas si vous étiez au courant, il y avait le The Event, je sais pas pour ceux qui l'ont suivi, c'était impressionnant, c'était vachement cool. Voilà, donc c'est un petit moment, on est reparti, tac, je baisse le son. Notamment, en tout cas, sachez que, comme vous le savez, dans Riverside, Il y a un commissariat, un vieux commissariat, puis le maire m'a demandé de refaire ce commissariat. Enfin, je me suis dit qu'il fallait le refaire. Bref, nous allons donc refaire le commissariat, le redesigner pour qu'il soit à jour, effectivement. On est donc parti sur... ici, parfaitement. Alors, juste pour petite information, vous voyez qu'il y a une nouvelle barre ici, juste en haut. Alors oui, comme je dis, c'est une nouvelle barre. J'ai découvert ça, j'ai découvert que je pouvais le mettre. Et j'ai essayé, en gros c'est une barre où à chaque abonnement, ou à chaque don, ou à chaque truc, cette barre va descendre. Non, plutôt dans ce sens là. Et je me dis que ça pourrait être sympa qu'à chaque fois que la barre est tout en bas, que le boss, entre guillemets, s'ils appellent ça un boss, que cette barre est arrivée à zéro, que je me délise un truc que vous me demandiez, par exemple. Ça pourrait être super sympa. Donc je vais essayer ça. Donc bonjour à... Je t'ai fait déjà nuit. Bonjour à Tin Riz, bonjour à Quentin, Dre, à Quentin, bonjour à Théo60, bonjour à Mister, bonjour à Cube, bonjour à tous. Pourquoi j'ai pas le vieux Verkunt? Attendez. Peut-être parce qu'il déconne complètement et qu'il dit n'importe quoi. Oui, si, c'est bon. Transition, voilà, hop, parfait. Voilà, donc on est parti, on va modéliser un joli commissariat avec de la musique épique, mais pas trop forte peut-être. Je sais pas si la musique est trop forte. Voilà, let's go, c'est parti. Donc, je vais essayer de faire un commissariat un petit peu plus grand que ce que le précédent quand même, avec un escalier un petit peu plus pratique. Ça pourrait être sympa, parce que oui, parce que l'autre escalier était... Putain, mais je vais pas y arriver. Arrête. Attends. Parfait. Parce que l'autre escalier, c'était pas ça. Donc, il y a du monde à 17h. Mais 10 sur le live, incroyable. Alors je vais déjà essayer évidemment comme d'habitude de designer d'abord le sol, puis non, hop, puis au fur et à mesure on va monter. Il y aura la prison, oui, putain mais j'arrive plus à foutre 2-0, voilà. Oui, il y aura évidemment la prison, mais la prison je ne la ferai pas en live puisque la prison quelque chose où on pourra probablement s'en échapper, donc il y aura des petits passages secrets, des trucs comme ça, je verrai comment je vais la designer, mais je peux pas la faire en live. Donc voilà, je la ferai pas en live tout simplement. Alors, il faut évidemment pour ce commissariat qu'il y ait un garage, qu'il y ait tout ce qu'il faut. Donc ici on aura, on va essayer de faire un grand garage. Hop, il nous faut évidemment les bureaux principaux. Je verrai bien là où les gens arrivent à la rigueur pour déposer des plaintes sur leurs conneries. Ce serait plus ici, voilà, une espèce de bureau ici. Ça pourrait être cool. Je vais juste refaire ici. J'ai envie de lui donner de la forme à ce commissariat. Ah, donc à la rigueur, ils arrivent par là, tac. Ils ont tout ça. Puis les bureaux sont là. Puis un garage là-bas. Voilà, ça pourrait être sympa. Toujours là, Expertuez, évidemment. Toujours vivant. Toujours ici. Alors, tac. On va dupliquer ça. 250. Alors non, je vais passer à 300 pour le coup ici. Pour les maisons, je reste à 250. Putain, je suis malade. Excusez-moi, j'ai le nez bouché. Ça m'énerve beaucoup. Très chiant. Bref, pour ce qui est des maisons, je reste à 250 au niveau de la hauteur des murs, mais pour ce qui est de certains autres bâtiments, je passe à 300 parce que c'est juste plus pratique puis plus joli visuellement, tout simplement. Alors, du coup, maintenant, mon objectif, c'est quand même de faire le plafond ici. Alors, ça va pas être trop compliqué parce qu'en fait, le seul truc qui aura un étage, c'est évidemment les bureaux qui sont sur un étage. Donc les bureaux qui sont de taille
du 1800 sur 1100. Donc on a dit du 1800 sur 1000, putain, 1100 raté parce que c'était pas en mode objet. Hey, salut. Hop. J'y arrive plus, c'est excellent. Oui, 300. Je suis pourtant pas fatigué, je suis un peu claqué quand même. Je vais regarder une vidéo de Koopa et Pouf ton live. Bah, je regarde toujours fidèle. Koopa. Alors, Koopa. Parle-moi de quel Koopa, de quel youtubeur. Dis-moi qui. Parce que je sais pas si vous connaissez, parce que tu parles peut-être de celui-là, mais de un ancien qui s'appelait Koopa Troll, qui était un youtubeur RPG mode surtout. Mais donc je regardais parfois, c'était plutôt sympa. Et sa chaîne a fermé, ou il a dû fermer sa chaîne, je n'ai absolument pas la raison. Salut Paystunting. Je sais pas pourquoi il a fermé sa chaîne, ou pourquoi il n'y avait plus aucune vidéo dessus, j'ai pas suivi malheureusement. Il y avait probablement une raison, ou il a continué à lire, mais Koopa sur Gmod et CPRP. Ouais, bah alors je savais pas qu'il avait repris, ou je sais pas trop comment ça s'est démerdé, mais effectivement, moi j'avais vu qu'il avait genre arrêté ou quelque chose comme ça, donc voilà. Hop, donc là on est sur les 10, ça change pas. 300. Voilà. Alors en fait, pour Quentin, yo salut Drop, c'est petit non? Oh non, t'inquiète pas, ça va pas être petit. Hop, attendez, je regarde juste. Pour ce qui est de la grue que Quentin nous a fait, salut Valentin Gaudin. Pour la grue que Valentin, que Quentin nous a fait, pardon. Alors j'en ai pas eu d'autres des grues, en tout cas en message privé, donc je sais pas si quelqu'un d'autre a modélisé une grue, ou si pas grand monde se sont motivés, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, ta grue, si tu me refais les pieds, je veux bien, je l'implémenterai sans problème dans le jeu, parce qu'elle est bien optimisée, et ce sera pas très dur pour moi de faire les textures, donc à la rigueur, si tu veux juste faire ça, c'est pas un problème. Donc, ici, on a dit que ce serait l'accueil, si j'y arrive, ouais. Accueil, tac. Ok, faut juste que. Voilà, parfait. Là, évidemment, bon, je pense que la plupart qui sont ici, vous commencez à connaître un petit peu. On dessine toujours d'abord les pièces principales, ou non, toutes les pièces quoi. Après, on fait les portes. Et enfin, pour finir, la dernière étape, c'est de faire les fenêtres. Enfin, en tout cas, au niveau de la munition, puis ce sera déjà bien. Est-ce que je l'ai bien foutu au milieu? Non, évidemment. Non, raté. C'est de là que je voulais. Hop, parfait. J'ai déjà commencé à supprimer le dessus des murs pour optimiser. Toujours dans l'optique d'optimiser un modèle, évidemment. Hop. Voilà. Je suis une blender, ça t'est dit, je te fais un camion. Mais en fait, vous pouvez pas me faire un modèle parce que bah, si je le demande pas, mais tu peux essayer juste m'envoyer pas forcément le camion parce qu'il y a très peu de chances que je le prenne. Non pas qu'il me plaise pas ou que tu modélises mal, c'est juste parce qu'on fait pas les mêmes, on modélise pas de la même manière. C'est pour ça que parfois je demande quelque chose, je dis à la rigueur, comme la grue, je l'avais annoncé, j'avais dit faites une grue, j'aimerais bien voir ce que vous savez faire. Et j'ai été agréablement surpris par Quentin par exemple. Mais souvent les véhicules, j'ai quand même une technique bien particulière de faire un véhicule, vous l'avez bien remarqué, entre séparer le clignotant. Le clignotant, les roues, tout ça, le volant, c'est très très dur de faire un véhicule en fait. C'est pas juste dessiner le modèle et on est content. C'est très dur de dessiner un modèle, de faire un modèle de voiture. C'est pour ça que souvent j'ai vu personne qui pouvait faire un modèle comme Novalife en fait. Enfin, même un pro, mais c'est juste qu'on a des techniques particulières, c'est tout. Mais je veux que tu essayes de rien faire. Tu t'entraînes pour toi, tu t'entraînes pas pour moi. Entraîne-toi pour toi. Alors on va essayer déjà de dessiner les bureaux. Alors du coup l'escalier je le ferai à peu près ici. Hop. Par exemple, voilà, incroyable. Alors, ici c'est j'aimerais mieux que ce soit le garage. Juste dessiner deux bureaux du coup là. Ah quoique. Je vais même en faire trois. Faire trois bureaux ici. Hop, juste décaler un petit peu celui-là. Hop, trois petits bureaux là. Voilà. Non, arrêtez. J'avais déjà supprimé le dessus de ce mur. Pour ce qui est du garage, il faut que ce soit un gros garage, c'est très bien. Toujours pas de chaîne vocale, là pour le coup, non, pas encore. C'est super dur à mettre en place un chaîne vocale, enfin efficace on va dire. Et puis de toute façon, vous le verrez arriver très rapidement. C'est pour ça qu'on n'a pas posté de mise à jour encore, parce qu'on taffe énormément, vous imaginez même pas comment on taffe beaucoup, beaucoup.
On vous prépare de très belles choses, de très belles surprises dont vous ne pouvez pas vous y attendre. Et ça va être cool. Moi personnellement, j'ai bien avancé sur la carte. Je vous prépare également de belles surprises, de belles choses en tout cas à explorer, voire pourquoi pas interagir avec. Salut Vurtech Gamer. Voilà, donc je vous prépare on vous prépare le maximum de choses. Mais on veut pas sortir des trucs, juste histoire qu'on sorte des trucs. C'est pour ça qu'on sort pas forcément des mises à jour. Là, bah, de toute façon, on a tenu notre promesse de sortir des mises à jour une fois par jour pendant 5 jours après la sortie de la pré-alpha. Ça, on l'a fait, on l'a bien fait, on vous a donné de belles choses. Mais là, maintenant, on passe à un rythme beaucoup plus lent, on veut sortir du gros contenu de qualité. Là, excusez-moi, je vais juste chercher les normes pour ce qui est des portes doubles, ce genre de choses. Parce que les portes, je les connais, mais alors les portes doubles, c'est où? C'est où? Structure, normes. Alors, c'est quoi? Ok, j'ai. Alors, pas de soucis, c'est vrai que les pieds c'est assez catastrophique. Ah, c'est pas grave. Je te laisse faire la cabine, j'en avais mis une, mais vraiment pas belle. Donc, je pense l'enlever et tu feras la tienne. Pourquoi pas, vas-y, écoute, hein, vas-y. Alors, porte de. Double porte, c'est ça. Donc, nous sommes sur du. Hop. Bon, une double porte. Avec cette incroyable musique en fond. Profitez un petit peu, c'est plutôt très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Nous sommes sur du. Alors, attendez. C'est du X, c'est du 190. Donc on va faire une double porte ici, je ferai évidemment les fenêtres juste après. Et après on revient sur du 160 normalement. C'est ça, non 120, je suis bête, 120. C'est ça, 120. C'est 160 en hauteur. Hop, on va faire une porte ici. Mais non, on va faire une là. Hop, là on va en faire une. Ouais, exact. Et là on va en faire trois petites portes. C'est OBS que tu utilises. Non, c'est Streamlabs. Enfin, j'ai converti toutes mes scènes OBS sur Streamlabs. Streamlabs qui marche vachement bien. OBS est excellent aussi, mais je trouve ça plus agréable d'être sur Streamlabs. Ils font. Bah, en fait, c'est. En fait, c'est un peu les deux que j'utilise du coup, parce que j'ai OBS et Streamlabs. J'ai déjà vu la vidéo de Koopa, moi. Ah, moi, bah, du coup, c'est vrai que je pensais qu'il avait arrêté. Du coup, je sais pas s'il a repris sa chaîne ou s'il y a une autre chaîne, mais je suis pas au courant. Mais c'est vrai que les vidéos de Koopa étaient plutôt bien. J'aimais bien. Sur SCP, en tout cas, c'était plutôt agréable. Pour ceux qui connaissent pas, à l'époque, c'était Koopa Troll. Donc aujourd'hui, je sais pas ce qu'il s'est renommé, juste Koopa. Il a grandi, de ce que j'ai compris. On veut une porte de garage, c'est du 260. 260, j'ai dit. Hop, en XY. Alors là, sur la chaîne également de Novalef, je vais essayer de faire un. Alors, je vous le dis, hein, je vais essayer de préparer une espèce de nouveau contenu. Toujours sur Novalef, évidemment. Hein. Enfin, sur, en tout cas, sur. Oui, bref. Je vais essayer de préparer des sortes d'émissions, entre guillemets, où je vais présenter un petit peu ce qui se passe autour de Nova Life, ce qui se passe avec Nova Life, un petit peu les nouveautés, mais de manière un peu RP. Je vais essayer de faire ça. Donc, je sais pas comment est-ce que je vais préparer ça, parce que ça va demander quand même pas mal de préparation. Mais je vais voir, ça pourrait être super sympa, et puis ça pourrait être très drôle à faire, donc pourquoi pas. Je sais pas trop comment je pourrais appeler ça, des sortes d'émissions, voilà, un petit peu roleplay où je présente les actus autour de, en tout cas de même de Team Nova, pourquoi pas, donc les sites, les machins, Nova Live, tout ça. Ça pourrait être agréable. Je pourrais présenter quelques trucs et pourquoi pas quelques actus. Bref, je pourrais voir, ça pourrait être super cool. Et les pompiers, c'est déjà fait. Non, la caserne de pompiers, faut que je la refasse aussi. Faut que je la refasse aussi. Il y avait déjà une caserne de pompiers, mais ça c'était à l'époque. Voilà, donc il faudrait que je la passe. Pourquoi il y a une barre HP? Alors oui, la fameuse barre HP, c'est dès que j'ai essayé de la mettre, j'ai trouvé ça vachement cool. C'est que dès que quelqu'un s'abonne, quelqu'un lâche un don, quelqu'un fait quelque chose comme ça, cette barre va diminuer, dans ce sens-là. Et dès qu'elle arrive à zéro, ah, je vois pas très bien. Ouais. Et dès qu'elle arrive à zéro, en fait, ça veut dire qu'il y a eu plein d'abonnements, plein de machins, tout ça. Et pourquoi pas, je me dis, bah là, dès qu'on arrive à zéro sur cette barre, et bah, je peux modéliser un truc que vous me demandez, on fait un stropole et puis paf, on modélise. Comme ça, je suis sûr que tout le monde y trouve son compte, dans le sens où c'est visuel au moins, on le voit direct. Alors il y aura toujours des trucs aux 400 abonnés, ce genre de choses, évidemment. Hein. Mais bon, vu que je modélise énormément, il y a plein de raisons pour lesquelles je peux mettre ce genre de truc en place, et j'ai trouvé ça vachement cool. Donc si vous abonnez, normalement, bah, on peut essayer, je sais pas si quelqu'un n'est pas abonné, ou s'il y a un double compte juste pour essayer, pour voir si la barre descend bien, j'ai essayé de la configurer, c'est. Et normalement, à chaque fois que la barre descend à 0, normalement, elle va augmenter de 100 HP, un truc comme ça. Donc normalement, un abonnement, c'est 5 PV en moins, un don d'un euro, je crois que c'est 10, enfin je sais plus, c'est quelque chose comme ça. Bienvenue sur Nova TV, aujourd'hui nous nous retrouvons en compagnie de Valentin, maire de la ville, qui vous explique le développement de la ville juste après la météo. C'est même pas ça, c'est. Ah si c'est ça, c'est exactement ça, ça pourrait être drôle. C'est le.
DJ Chou. C'est presque ça. En réalité, c'est plus. Bah, c'est pas Valentin du coup, parce qu'il est même pas maire de la ville. Valentin, lui, il est. Il va être. Je crois qu'il veut faire. Bah, surtout dans les dépôts de bus, hein, vous imaginez bien. Mais ouais, c'est quelque chose comme ça. Ça pourrait être super cool. Ah, et puis du coup, j'ai mal fait ça. Pourquoi j'ai mal fait ça? Me dites pas que. Je crois que j'ai raté quelque chose là. Bingo. Bah on va supprimer ça, je sais d'où ça vient, tant pis, hop. On va refaire ça. Hop. Parce que du coup, il n'y aurait pas trop Valentin bah, dans les émissions au début, surtout que, bon, Valentin, lui, je vous rappelle qu'il a encore des cours. Donc il est possible que je fasse ça au moment où il y avait plein de gens qui aient cours, mais bon, ce serait surtout la rediffusion qui serait intéressante, je pense. J'ai dit moins 15. Hop. Voilà. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Merci. Tu commences à me saouler. Allez, c'est incroyable. C'est bon. Ok, on se met d'accord pour le faire. Modéliser le Titanic. Allez, go. Allez, vas-y. Modélisez le Titanic. Faites-vous plaisir. Alors, tac. Maintenant, donc j'ai juste fusionné ça. J'ai juste vérifié les points. Ok, c'est bien ce qui me semble. Je vais essayer de supprimer tous les points qui servent à rien. Hop. Ah, donc normalement là j'ai absolument toute la porte, presque. Bon, j'ai la porte. Pourquoi je vais pas. Si je fais ça, ça marche pas évidemment. Ok. Faut que je rentre dedans parce qu'il faut que je sélectionne absolument tout. C'est chiant. Ok. Donc normalement là j'ai tout. Dites-moi que j'ai tout. Oh putain. Parce qu'en fait là j'aimerais bien supprimer les points, mais j'aurais dû le faire avant ça en fait. J'ai pas. J'ai mal fait ça. C'est pas grave. Bon là c'est bon. Non mais c'est chiant, mais pourquoi? Ok, tant pis, on va la faire la mode full bourrin. Ce sera plus rapide et puis voilà. Après tout, il n'y a pas trop de points donc ça va. Hop. Ok, c'est quoi les points? Les points en fait, c'est quand vous supprimez un polygone comme ça, par exemple là. En fait, c'est un mauvais exemple parce qu'on voit encore, mais il n'est pas totalement supprimé et il reste encore les points derrière. Donc il faut supprimer les points. Je crois que je vais te mettre sur ma télé pour voir ton live. Incroyable! Je passe sur les télés maintenant. Incroyable. En fait, tu n'es pas le premier, j'ai appris ça, c'était plutôt drôle. J'adore le port. C'était plutôt sympathique. Alors maintenant j'aimerais bien faire les portes de garage. Hop 10 cm. Alors les portes de garage, quelle est la norme des portes de garage finalement? En hauteur, oh c'est de la merde. On va mettre en hauteur 210. Et je c'est très bien 210. Parce que la hauteur c'est du 202,5. Mais bon après in game je peux régler ça sans trop de problème. Et puis là sinon j'aurais eu des virgules et des virgules infâmes. J'ai pas trop envie, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, hop, voilà, maintenant, l'intérieur, voilà. Alors, toutes les musiques que vous entendez passer actuellement sont des musiques épiques qui viennent d'Audio Machine, un excellent orchestre, on va dire, un énorme groupe de musique épique, voilà, pour informer. C'est vrai que je mets pas le titre des musiques, il y en a tellement qui passent, je peux pas toutes les mettre, et sachant que j'ai pas Spotify, ou autre, du coup je peux pas les afficher facilement. Et ben on est 20 sur le live, bonjour à tous. Alors là maintenant on va essayer de foutre, non s'il te plaît, toutes les fenêtres. Incroyable. Alors les fenêtres c'est du 250 je crois, 220, 250, regardez la norme. Qu'est-ce qu'elle nous dit la norme? Fenêtre, ouais 220 c'est très bien. Adrien, j'ai une question, que veux-tu que je modélise pour te montrer mes compétences? Il y en a beaucoup qui me demandent ça en privé, vraiment. Mais je sais pas, moi. J'en ai aucune idée. Je sais pas, justement, peut-être impressionnant. Si vous voulez vraiment, genre, un jour pouvoir me dire, bah tiens, regarde, je modélise super bien, machin, tout ça. Et puis, pourquoi pas travailler ensemble. Surprenez-moi, j'ai envie de vous dire, modéliser des trucs juste super bien fait. Enfin, le poly, Ganopti, tout ça. Genre, je me dis, ouais, la vache, il a de la technique, c'est super fort. Je sais pas, moi, envoyez-moi des screens. Parce que j'ai pas d'idée, là. Je peux pas vous dire, ouais, ça, c'est sûr, si vous me faites ça,
Je vais vous dire, ouais, c'est impressionnant, je sais pas. Tu veux une blague? Je sais pas. On va faire une fenêtre là. Une maison. Un A350. Allez, go, fais un A350. Un A350. C'est vrai que moi j'ai pas encore modélisé d'avion pour Nova Life. C'est plutôt drôle. Enfin, drôle. C'est pas non plus très amusant, mais c'est. Pourtant, j'ai modélisé énormément de trucs. Hop. Oh la vache, il va y avoir 10 000 fenêtres là. C'est incroyable ça. Mais bon, hein, on se décourage pas. Après tout, ce n'est qu'un vulgaire commissariat de ville. Je viens de chier sur le commissariat de Riverside. Incroyable. Ça en fait les fenêtres. Je vais même pas mettre la dernière. Je vais pas surcharger de fenêtres non plus. Oublie pas les cellules. Ouais, les cellules, les cellules. En fait, après, c'est le commissaire qui pourra en faire ce qu'il veut. Ben, là, ça peut très bien être des cellules déjà ici. Hein. Là, tu mets juste des petites portes. J'arrive plus à parler, c'est incroyable ça. Merde! Putain! Comment on appelle ça? Des jail doors? Des portes de prison, espèce de con! Voilà, tout simplement. Voilà, des portes de prison ici. Et là, ça fait déjà trois petites cellules. Ok, je te fais un avion, soit la catastrophe, soit un avion divin, on verra. Ou juste un entre-deux. Oublie pas la porte qui donne sur les parkings de police. Elle est là. Elle est incroyable, elle est là. Elle est folle. Ah, mais il faut que je foute des portes extérieures. J'ai vu qu'en plus, parce que vous voyez, il y en a pas mal. Ma collègue, j'ai le seum. Ah, effectivement, c'est dommage. J'ai vu que beaucoup d'entre vous, en tout cas, ont fait des vidéos sur Nova Life. Ça fait super plaisir de voir un petit peu des gens réagir sur notre jeu, de comment il est, machin. Tout ça, c'est super cool. En tout cas, de visiter, moi, par exemple, ce que j'ai fait, les différents endroits que j'ai fait. Et il y en a pas mal qui est rentré dans le commissariat et qui était pas déçu, mais juste qui s'attendait à ce qu'il y ait des portes extérieures. Et c'est vrai que j'en ai pas mise, mais volontairement. Et en fait, je vais en mettre, notamment parce que là, ouais, il y a le. Alors, c'est peut-être ce que je te disais d'ailleurs. Ouais, le parking de police extérieur, parce qu'il va y en avoir un parking de police extérieur. Du coup, je vais mettre une petite porte ici, là. Notamment là, je pourrais en mettre une. Là, c'est très bien. Je vais en mettre une là, puis ça ira déjà très bien. Alors, je vais essayer de faire un truc. Alors, faut que je garde les points. Pour garder les points, faut que je les sélectionne. Oh, ça va être un enfer! Je sais pas si ça va marcher. Faut que j'essaie quelque chose. Hop, on fait du 160. Ah ouais, mais ça sélectionne pas les points. C'est incroyable, ça. Je vais essayer, mais c'est pas dit que ça marche. Hop. On va mettre ça tout en bas. Ah, mais si j'en ai plusieurs. Je suis en train de réfléchir de comment annihiler les points. Là, si je fais ça, là, par exemple, hop, bon, ça a marché, parfait. Du coup, ça a marché, mais ça a été un enfer à s'en souvenir. Alors, pour ceux qui comprennent pas pourquoi je supprime les points, c'est technique. C'est vraiment pour optimiser le modèle. D'ailleurs, si le bus, l'ancien bus de Nova Life que Valentin avait designé, mais c'était pas lui les sièges, c'était un autre modélisateur qui avait fait les sièges. Du coup, il y avait une optimisation, mais d'enfer. En gros, tous les sièges réunis de l'ancien bus était plus lourd que mon bus à moi que j'ai modélisé avec les sièges. Donc juste les sièges étaient plus lourds que mon bus à moi. Oh putain, t'es en 140p, oh là là. Nako, c'est de la merde. À suivre, va-t-il réussir à un A350? Nous verrons ça dans l'enquête interdite. Moi j'ai prévenu Margatax du jeu et on m'a pas cité. Margatax, je connais pas Margatax. Excuse-moi, hein, je sais pas ce que c'est. Qui c'est? Je connais pas. Margatax YouTube, je vais aller voir. Non, je ne connaissais pas Margatax. Ok, tiens le voir. Je connaissais pas. On fait découvrir une belle. Alors, on va fusionner ça. De toute façon, tous les cadrans, c'est les mêmes. Hop, puis c'est incroyable. Toutes les portes. Maintenant, je vais pouvoir faire toutes les fenêtres. Hop, voilà. On les sélectionne toutes. Raté. 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 Putain, mais. Lui, et il y a ces deux-là qui sont parfaites. Voilà, incroyable. 10, on va mettre sur du 160, c'est ça. Ici, c'était ça. Yes. Maintenant, j'ai plus qu'à tout sélectionner. Voilà, incroyable. Hop. Là, je vais pouvoir. Attendez, je vais voir si je peux essayer quelque chose. Est-ce que je peux avoir. Oh, mais merde! Tant pis, pas grave. Est-ce que c'est possible de faire une baie vitrée sans cadran? Oui, complètement, c'est même très simple. Bien sûr. En gros, t'as juste, tu vois, regarde, imaginons que je voulais qu'aucune de mes fenêtres ait un cadran, j'aurais juste à faire ça. Et là,
aucune de mes fenêtres n'ont un cadran. C'est moi qui le mets le cadran parce que c'est carrément plus joli. Mais là, aucune fenêtre n'a le cadran, j'ai juste à faire la vitre et puis c'est tout. Moi je suis en 720p, te plains pas. 720p c'est normal, c'est le maximum. Donc 720p c'est très bien. Parce que j'ai pas une connexion de merde, mais j'ai pas une connexion qui me permet de stream à 1080p. Parce que là par contre il en faut une. Il faut une connexion. Il faut une fibre ou quelque chose comme ça, ce que je n'ai absolument pas évidemment. Donc je peux pas du tout stream sur du 1080p. Qui me parle sur Discord? Ah c'est toi, ok. Qui m'a. Ok d'accord. Qui m'a juste renvoyé la grue, très bien. Voilà donc, hop, je viens de te montrer comment on faisait sans cadran. C'est extrêmement simple. Et 10. Est-ce que je fais du 10? Ouais. Et on va faire moins 15 évidemment. Voilà, parfait. Alors moi je préfère pas les cadrans. Oh, ouais, non, non, si, non, mais sans les cadrans c'est pas faisable, c'est dégueulasse. C'est immonde. Hey, salut à tous les amis, c'est Azora. Salut, oups, l'image sort effectivement. Salut Azora. En fait, là j'ai juste y pensé, pour ceux qui voulaient me faire des dons via PaySafeCard, je crois que c'était ça, j'ai activé le truc pour faire des dons via PaySafeCard, c'est bon, normalement c'est bon, vous pouvez sélectionner ça. Enfin, la révolution. Voilà. Donc là on a les vitres, ici nous avons les cadrans de fenêtres. Cadrans de fenêtres. Le 720p c'est pas assez, bah ouais, mais bon, achète-moi une co et puis c'est un mieux. Moi le 720p, moi ça me va. Hein. Enfin, ça me va parce que j'ai pas trop le choix. Puis si ça permet au moins, j'ai pas de drop. Le live il est fluide, il est continu, il n'y a pas de drop, c'est très bien. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait tout ça, j'ai juste à faire donc celui-là. Ouais. Où est-ce que je vais mettre l'escalier? C'est ça. Oh là, bah oui. Où est-ce que je vais le mettre? C'est une bonne question. Ou sinon. Non, si. Mais non. Ah si si. Je vais le mettre là l'escalier. Je vais le mettre là l'escalier. Ça va être incroyable. Il fait déjà nuit, mais c'est incroyable. Et chez moi, il fait un temps extrêmement de merde. Et il fait vraiment super mauvais. Je suis en Touraine, c'est l'enfer. Région centre. Là, c'était 14, je crois. 15. Ouais, 15. On va le mettre là, l'escalier, puis il va monter de l'autre côté. Ok, ça. Voilà. On met du XZ. Ok. En plus, comme ceci, voilà, incroyable. Et là, on ne va pas rater l'escalier. On vérifie bien. Vérifie tous que l'escalier n'est pas raté. Qu'il ne manque pas, dis donc, une marche. Comme là, il manque une marche. Merde. Je vais la faire, je vais la faire, je vais la faire maintenant. Je vais la faire. Pas de problème. Je fais la marche. Voilà. Il y a la marche. C'est bon. Aïe. Tout est bon. Enfin. Parce que c'est d'ailleurs pour ça que le commissariat était. Bon, déjà, les fenêtres. Enfin, le commissariat était pas fou. Mais c'est à cause de ça qu'il était foiré. C'est que l'escalier, je l'ai raté sur le live. Ouais, mais maintenant que je fais 25 euros, j'ai plus rien sur mon compte. Oh, sacre bleu. J'ai mis bien la colère. Bon, bref. Là, ici, moi, je vais essayer quand même de faire quelque chose. Je vais tester quelque chose. J'ai pas vérifié. C'est au niveau des points. Est-ce que si je fais ça et que je vais sur les points. Ah, c'est pas mal! Ah, ça marche, ok, ça marche, c'est ce que je voulais. Je vais comprendre comment le logiciel fonctionnait, super. Oh, vous savez, on apprend tous les jours. Bon, ce qui est plutôt faux, c'est que sur le logiciel, non, mais là, je suis content, je viens de vérifier quelque chose de cool. Je peux pas te décrire ce que je viens de découvrir. Enfin, c'est super chiant. Bref, au niveau des points, je pensais qu'il y en avait au milieu, il n'y en a pas, en fait, c'est très bien. Merci à Dutchichu qui vient de s'abonner à la chaîne. Alors, on va attendre qu'il ait la notif sur le live. Et on va voir est-ce que la barre, la fameuse barre, la nouvelle barre qui est là, va descendre d'au moins 5 HP. Là, c'est le suspense, le grand suspense, le dénouement. Je vais économiser le 25 février, jour de mon livre. Prépare-toi à modéliser l'impossible. Un Regio 2N. En plus, il est plutôt carré, mais. Suspense! Mais que va-t-il dire? Alors. Fais gaffe, le 25 février c'est dans vraiment longtemps, hein. Ça a le temps d'énormément évoluer, hein, Nova Life, la chaîne. Ça m'étonnerait que 25 février égale 25 euros, Régélie. Ok. Je sais pas, je peux pas dire oui parce que 25 février c'est dans longtemps. Et ça se trouve, la chaîne elle aura énormément évolué, donc je peux pas te dire. Et c'est même sûr, elle va énormément évoluer la chaîne. Enfin, même ce qu'on fait, tout ça, Team Nova, Nova Life, tout va énormément évoluer, t'imagines même pas, ça, c'est quand même. Je me suis désabonné au abo. Ah, je sais pas du coup si ça marche. Je sais pas, apparemment non, parce que. Bah non, c'est peut-être pour ça que ça l'a pas fait.
C'est que YouTube m'a dit, mes Streamlabs, ils ont dû comprendre que tu t'étais désabonné à Bo, c'est pour ça que ça n'a pas marché, je pense. Alors, oui, on a fait l'escalier, on est très content, il y a l'escalier. Hop. Voilà. C'est dommage que les pouces bleus, ça ne marche pas. Plus il y a de pouces bleus, plus ça fasse ça, ça peut être drôle. Bon, en même temps, je sais pas trop comment ils pourraient calculer ça non plus, parce que bon, ça aurait pu être bien. Je vais mettre vue du dessus. On va mettre en X, Y, un seul. Et là, l'objectif, c'est juste de choper le petit Kaneto qui vient de s'abonner à la chaîne. Mais est-ce que Kaneto, est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu t'es désaboré à vous? Attendez, mais est-ce qu'au moins j'ai l'alert box? Est-ce qu'elle marche? Je vais tester mon module. Attention, je teste. C'est moi qui teste. Ok, ça, c'était mon test à moi. C'est Nova Life, c'est mon test à moi. Qu'est-ce qu'on va avoir en direct? Les autres qui s'abonnent ou pas encore? Parce que c'est bizarre là. Si on a les abonnés en privé, ça ne notifie pas. Ça, oui, je sais. Donc, j'ai pas encore live action. J'ai pas encore vos. Si c'est, ouais, si c'est du réabonnement ou si c'est en privé, évidemment, ça marche pas. Ça marche pas la barre d'HP à What the Fuck. Bah, pour le moment, on peut pas voir parce que j'ai pas encore eu un abonnement qui s'est affiché, hein, surtout. Hein. Donc, on peut pas savoir. Et j'ai pas encore eu de dons. Ça marche que avec les dons ou les abonnements. Donc là, en réalité, on peut pas encore savoir. On pourra savoir uniquement s'il y a un don qui s'affiche, comme ce qu'il y a à voir avec Nova Life Développement, ou un abonnement. Là, pour le moment, c'est encore le suspense, on sait pas. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Aucune idée. On verra. Je ne sais pas. Ah non, c'est du XY, parfait. Hop, on va le mettre là, et là. Pareil, j'ai oublié de faire un truc, et je vais le faire maintenant, c'est... Je vais mettre le truc de l'escalier, la rambarde, on va dire une petite rambarde d'escalier. J'ai dit, excusez-moi, une petite. Hop, 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 on monte. On va faire du I moins 5. Où est-ce que je suis? Ok. Même un peu plus, moins 10. Et on va faire du... On va monter. Un peu moins haut. Oh, quoique. Si, un peu moins haut. Hop. C'est pas si mal. Ok, là. Après, on va extruder de 10. Parfait. Là, maintenant, on va essayer de faire une rambarde. En espérant que ça consomme pas trop sur le modèle. Putain. Là, j'ai le toit. Excusez-moi, ça commence à me... Ok. Hop, on va essayer. J'ai 120€ dans mon coffre. Ah bah. Faites des dons pour la science. Faites des dons pour la science. Je fais le test. Ouais, mais est-ce que Kaneto, c'était du. Des abos réabo ou t'es un nouvel abonné? C'est ça la question. Parce que si t'as un. Si c'est du des abos réabo, ça ne marchera pas. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça ne marchera pas. Hop, attendez, je vais juste aller voir. Est-ce que c'est un nouvel abonné? Je vais le voir direct. On était à 308, si on a 309, c'était un nouveau. On a 310. Ah, c'est bon. C'est bon, ça marche. Un soir qui donne 1€, ça marche. Et normalement, tu as enlevé 10 HP là-bas. Et ça fonctionne, je l'avais dit, ça marche. Pour la science. Bon, bah... Ça, c'est marqué quoi? Parce que j'arrive pas à lire, parce que c'est trop petit pour moi, sur mon écran. Bon, bah, les dons fonctionnent. Voilà, vous voyez, ça marche. Ça a bel et bien... On est descendu à 90. Ça fonctionne! Ah ah! Ah, vous êtes dégoûté! En tout cas, ça marche. Hop, on va mettre ça du. Je sais pas, ça me plaît pas trop là. Non, non, je vois. Y a pas de rambarde en Overlife. Y a ça, ok, mais des rambardes, c'est trop, je trouve. Oui, j'ai pris un autre compte YouTube et je me suis abo, mais ça marche pas. Si ces abonnements sont en privé, ça ne marchera pas. C'est normal. Vive la science! En tout cas, ouais, je vais essayer de... Ouais, 90, c'est bien ça. Moi, c'est en tout petit, parce que j'étais en mode studio, du coup, j'avais deux écrans, enfin bref. Et maintenant, j'ai plus de thunes. Ah, pour 1€, je l'ai ruiné. Et moi, tu m'as enrichi. 2€. Là, j'essaye, mais évidemment, je vais pas laisser ça comme ça, c'est immonde. Cédric Lagadec qui s'abonne. Mais pourquoi les abonnements ne s'affichent pas? C'est incroyable, ça. Ah si, c'est bon, ça marche, vous voyez, Cédric Lagadec qui s'abonne. C'est que soit vous êtes, c'était du désabo-réabo, soit c'était, alors ce test, soit c'était du réabonnement, désabonnement, soit c'était, j'arrive plus à parler, ok, ça vous va?
soit c'était des abonnements privés. Oui, je me suis concentré pour dire ça. Oui, complètement. Don't juge me. Voilà. Ça rend bien. Non, c'est dégueulasse. On enlève ça tout de suite. On enlève ça tout de suite. Hop. Va-t'en, va-t'en, s'il te plaît. Tu dégages. Allez, va-t'en. Nickel. Hop. Incroyable! Qui a 100 euros à donner? Oui, c'est vrai, faudrait faire un don de 2 euros par pur hasard pour voir ce qui se passe. Parce que qui peut faire 8 dons de 1 euro? Non, mais la question c'est, est-ce que un don, est-ce que c'est, parce que normalement c'est 1 euro égale 10 HP en moins. Donc est-ce que si vous donnez 2 euros, c'est du coup 20 HP? Et ça, je sais pas du tout, vraiment. Ce serait dommage que quelqu'un fasse un don de 2 euros. Moi, sinon, je vais me faire un don à moi-même. Ah, mais je vais perdre beaucoup d'argent. Avec toutes les taxes. Parce que là, sur un don de 1 euro, je crois que je touche à peine. Je dois toucher peut-être moins de 50 centimes. Ah, ouais, ça pompe PayPal, hein. Il y a tout qui pompe. Twitch, PayPal et l'État. Donc. Alors. Alors, l'escalier. Ici, on a là-haut, le au-dessus. Là, on va faire juste designer les pièces. Ça va être très, plutôt rapide, là. Hop, là on va faire du moins 300. Hop. Pourquoi je n'ai pas ça? Parce que j'ai raté. Hop, là voilà. Incroyable. Novalife peut faire un don. Ah mais Novalife il est pas là. Novalife il est pas encore là. Je crois pas qu'il soit là. Je lui demanderais, faire un don de 2 euros. Pareil. Faites un don de 2 euros SEP. Est-ce que si on fait un don de 1,80 €, qu'est-ce qui se passe? J'ai 100 euros, mais c'est pour Forza Horizon 4. Tu te l'achèteras plus tard. J'ai trouvé un émulateur Switch qui fonctionne. Je suis en train d'installer un ROM-hack de Mario Odyssey. Il est fou. Mon Dieu. Mais que fait-il? À l'étage, donc on va juste faire quelques petites pièces. Tout ça va être des bureaux à l'étage, évidemment. Alors, il y aura le bureau du patron qui va être là. Puis dessus, je vais juste faire des bureaux basiques. De l'autre côté. Pourquoi tu fais une paroi en verre au lieu d'une rambarde en rectangle en fait. Quoi? Une paroi en verre? Pas compris, hein. Une paroi en verre? Mais je vais pas mettre une paroi en verre. Bref, I don't comprendo, but it's okay. Hop, on va aller jusqu'ici. Voilà. Ok. Il se foule, ok. C'est très bien ça. It's so good. Alors, ici, on va juste. Hop. Où est-ce que pourrait être la prochaine porte? Ça pourrait être derrière. Ouais, derrière, j'aime bien. J'ai bien l'idée. On va faire deux bureaux plutôt grands ici. Avec une porte qui va être derrière l'escalier. Incroyable. Voilà, on va donc en faire une ici et une là. On n'arrête pas. XY et une porte juste là. Voilà. Hop, on fait du I vers l'intérieur. On descend. Attendez, hein, je me concentre pour faire les portes. Que dites-vous? Oula, putain. YoYoTech qui donne 10 euros et voyez, bah voyez. Ah, et du coup, c'est son pseudo. Ah, mais c'est excellent. Du coup, ton pseudo va être affiché. Merci beaucoup à toi pour tes 10 balles. Et du coup, ouais, 10 euros, ça fait 100 HP d'un coup en moins. Du coup, la barre repasse à 200 parce qu'en fait, elle a ajouté 100. Mais c'est incroyable. Merci beaucoup. Donc, en gros, bah, YoYoTech va être affiché tout le long sur le live en mode boss. C'est lui le nouveau boss. À la base, c'est moi, maintenant, c'est lui. C'est incroyable. Comprendre également dans cette. Mais il est sérieux, mais évidemment, mais c'était une blague! Je pense que j'ai pas un niveau dégueulasse en anglais, ne t'inquiète pas. Bon, je suis Overwatch, je vais tester H. Ah, mais je sais, je suis plus d'actu sur Overwatch, je n'ai aucune. Je suis. Go prendre ma life pour avoir de l'argent et tester la barre trop loin, non? Pourquoi tu. Un rajoli. Ah non, mais je vais rien faire là, pourquoi un rajoli? Hop, mais merci beaucoup à YoTech, pour donner 10 euros, c'est plaisir.
Toi, tu as vu que. Vous avez vu donc que la barre était explosée. C'est ça. Donc, l'objectif maintenant, c'est de faire des fenêtres, des vitres. Hop. GGE, il a 200 HP. Du coup, il a 200 HP, yo-yo. Va falloir le dégommer, yo-yo, avec un coup d'abonnement ou de don, ce serait dommage. Non, mais c'est vachement bien comme truc, bizarrement, j'aime pas mal. Par contre, c'est qu'à un moment, la barre va être à 300, puis après, elle va être à 400, puis après, à 500, ça va être. Putain. Après, j'espère vraiment. Putain, il y aura un mec. 1000 de HP, ça va être ça, ça va être l'abus. Mais je me demande du coup, parce que quand il y a Nova Life qui va arriver à faire 30€ là de dons, ça va exploser la barre. Par contre, je me demande cette vraie question qui est, est-ce que quand je quitte le live et que je reviens, normalement ça va, c'est enregistré. Normalement, ce sera toujours comme ça. J'espère parce que sinon c'est un peu nul. Si ça repasse à une barre de 100 PV et c'est plus lui, c'est pas ouf par contre. On verra ça, on découvrira ça le jour venu, c'est-à-dire bah, tout à l'heure, parce que non, je vais faire deux lives dans la journée. La musique! Que fait-elle? Remonte, appelez, on est parti. Qui a 20€ pour la science? Par hasard! Hop, XY. Et voilà. J'ai toutes mes fenêtres. Le tech de redonne 5€, petit complément. Et ça n'a pas marché! La barre n'est pas des. Ah, parce que tu peux pas t'auto-tuer? Mais quoi? Il donne 15 balles! Merci beaucoup, le tech. Hein. Merci vraiment beaucoup. Hein. Mais alors, pourquoi la barre n'est pas descendue? Est-ce que tu peux pas. Tu ne peux pas te tuer toi-même? Ah, c'est con quand même, c'est super dommage. Hein, ça c'est con, je sais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre? Non, mais par contre, c'est vraiment. C'est bizarre. Quoique, c'est vrai qu'un boss peut pas se tuer lui-même, mais c'est bizarre. C'est. J'avoue, je m'y attendais pas. Ouais, le mec peut pas s'auto-tuer. Ouais, enfin, d'un côté, d'un point de vue roleplay. Bon, oui, effectivement, c'est logique. Oui, voilà, d'un point de vue roleplay, c'est logique. Mais du coup, yo-yo, il peut te demander une création et là-bas. Et la barre qui est finie, qui est ajoutée, une création proposée par les abos. Ah oui, quand la barre est finie. Oui, c'est vrai qu'à la base, quand la barre est terminée, c'est vous me proposez un truc à modéliser. Donc, on fera un Stropole tout à l'heure, à la fin, juste à la fin de ce live. On va faire. Donc, restez. On fera un Stropole à la fin du live, juste en mode. Qu'est-ce que vous voulez que je modélise pour le prochain live? On fera ça. Voilà, voilà. Ou que voulez-vous que je fasse pour ce prochain live? Modélisation ou autre chose, bref, on verra bien. Hop, donc ça c'est les vitres. Vitres. Cadran fenêtre. En fait, il faut le détrôner. C'est pour ça qu'on doit faire des dons pour le détrôner. Ouais, c'est ça. Quelqu'un n'aura pas 30€ pour la science. C'est bizarre que tu aimes bien le système de boss, je me demande pourquoi. Non mais en vrai ça va, parce qu'en fait je pouvais désactiver le fait que les abonnés marchent. Hein. Une montgolfière, non, on verra. C'est-à-dire que j'aurais pu dire en sorte, il n'y a que les dons qui marchent et c'est tout. Non, j'ai activé les dons et les abonnements. Mais sinon je pouvais activer les super chats, mais ça vu que je peux pas l'activer parce que j'ai pas 1000 abonnés ou ce genre de conneries, enfin bref. Donc ça je l'ai pas et je pouvais également activer quoi? Je sais pas ce que c'était autre chose, mais je sais pas ce que c'est. Si, c'est quoi ça? Non, c'était sponsor. Ça là, Nova Life Development, has become a member. Ah merde, mais du coup. Attends, quoi? Bah, j'ai baissé moi-même la vie? Qu'est-ce que j'ai baissé? Je crois que j'ai baissé moi-même la vie. Ça marche? Attendez, je vais essayer. Est-ce que je peux baisser moi-même la vie? Sponsor, je reteste. Ah oui! Moi-même ça marche! Merde! Si je fais des tests, ça fonctionne! Eh bah. On va dire que c'est le don de 5€ qui aurait dû enlever 50 HP. On va dire, voilà, c'est la moitié. Ok, bon, moi, je sais également que mes tests à moi fonctionnent. D'accord. L'argent est dépensé pour des gens méritants. Ok, oui. Par exemple, moi. Non, mais Nova Life, par exemple, pour ceux qui veulent nous soutenir. Alors... Ouais, mais oui, mais là, je viens de voir. Si on fait un Stropole et qu'il y a que deux personnes qui votent, on le refera, hein, ça sert à rien.
Je vais pas modéliser parce que deux personnes. Par contre, il faudrait évidemment que Yotech vote du coup, parce que it's a new boss. Hop. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? I think. Il faudrait que je. Ah, je sais. Je sais, je sais, je sais. Si je vais faire ça, je sais que j'ai tout le haut. Il est déjà 18h. Voilà, non, voilà. Voilà, non, hop. Ok. Ma technique ne marchera pas. Ah non. Quand Jack m'a dit que tu étais directement un Aurox, j'étais ébahi. Ouais, carrément. Quoi? Salut Nova. Faire une moto. Ah, on verra. Sinon, c'est le boss qui décide de ce que tu vas me. Bah, je serais plus partant là-dessus, mais bon, à la base, sur la barre, beaucoup de gens peuvent. Là, il est tout seul à avoir participé, mais il y a des gens. Par exemple, ça peut arriver qu'il y en ait plusieurs qui aient participé. Quand la barre sera à 1000 HP, il n'y a pas un mec qui va faire 100 euros de dons d'un coup. Donc la barre va forcément être. Vous voyez ce que. Enfin, vous m'avez compris quoi. Il est pas. Il sera pas plus tard tout seul à avoir fait. Avoir défait. Defeat the boss. Ok. Hop. Oula, oula, oula. On se calme. Que je peux faire ça ou ça va tout péter? Ça pète tout. Non mais j'aime bien comme ça. J'aime beaucoup comme ça. Alors on dirait que tu regardes le sol. Mon vrai regard? Pourquoi il a pas son logo sur la barre? Alors ça j'en ai aucune idée. Parce qu'il a un logo, je sais pas. Je sais pas. Ah si, parce que là ils ont que les comptes, je crois, Twitch. Parce que ça c'est un compte Twitch ça en fait. C'est pour ça que. Bah ouais mais non. Si c'est un compte Twitch ou OBS ou Streamlabs. Bref, faut que ce soit un compte relié à Streamlabs. Je pense que c'est pour ça. Les motos et les voitures bâtiments. Et les voitures bâtiments, il le fait plus souvent qu'un train ou un avion. Spécial du coup ça sert à rien de demander les choses communes. Ah, ça commence à se battre. Après, j'étais aussi émerveillé quand Jack m'a annoncé que tu allais être père ce vendredi. C'est vrai, et tu dis, on dirait un correcteur automatique. C'est vrai que je vais être papa vendredi. Les gens, ils vont le prendre au sérieux. Alors. Bah en fait, on est quasiment terminé. Il faut la texturisation. Puis le toit, de toute façon, c'est pas très dur le toit. Hein. Le toit, c'est juste. Attends, j'ai juste sélectionné les deux toits. Il y a lui et lui. Juste que je fasse tac 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 hop 40 vers le haut. Normal, j'ai pas mis de logo. Ah bah voilà. Ah d'accord, c'est que je. Bah je sais pas pourquoi ça prend. Bref. Ben ouais, moi je veux une moto. On verra. Salut Félix Pillon. C'est bien tout, ouais. Hop, voilà. On va juste modéliser sur du 60 cm. Non. 40, oui. Hop, là maintenant on va faire du moins. 30, ouais, incroyable. Qu'est-ce que je peux rajouter comme petit détail qui pourrait être sympathique? J'ai bien envie d'en rajouter, j'ai des petites idées. Enfin, des petites idées, c'est du basique, hein. On a l'habitude. Sur du YZ, 2, enfin, du 40, ouais, 60 peut-être plus. Comme ça exactement. Tu es très bon, Valentin, je te fais une petite blague. Bien vu, hein, le Valentin qui écrit évidemment là-haut. Facebook. Tu trompes ta no life. Quoi? Rien compris, je comprends pas tout. En pensant, je suis Félix le modo. Ok. Si tu savais pas, effectivement, je ne savais pas. Et je, même en disant ça, je vois pas qui est Félix le modo, mais ok, je suis d'accord. Je connais pas trop l'équipe de modo, hein, je vous cache pas. Félix le modo, ok. Ben, salut. Hop. On va aller sur ce côté-là. Z. Voilà. On va en faire un dernier, peut-être. Non, juste là, c'est très bien déjà. Ça va pimenter un petit peu. Enfin, pimenter. Donner du relief à la structure. C'est ce qu'on aime.
Putain, on va partir sur du 40, ça peut être sympa. Hop là, on va sélectionner tout ce qui est en dessous parce qu'on va partir très très bas. Voilà, hop. Eh, c'est très bien, hop les. On sélectionne tout ça. Voilà. On va sélectionner toutes les arêtes. Comme celle-ci, 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 bref. Elle. Et elle. Et là, on baisse un tout petit peu juste pour donner toujours du relief. Alors, Poupsy, tu te rappelles pas de moi? Si, je viens de te voir sur le Discord, mais je ne sais pas, non, je vois pas qui c'est. Je ne te connais pas, excuse-moi. Enfin, je ne te connais pas, je suis même pas sur le Japon. Je viens de finir ma maison avec Blender. Oulala. Les team moto ont son plus commun et ça va. Ça se fight, team moto, team pas moto, team 4x4, team autre chose. Incroyable. Les guerres éclatent, c'est sanglant. C'est incroyable. Alors, je vais juste sélectionner du coup tout le dessous. Est-ce que tu peux me lancer plus rapidement les autres musiques? Merci. Alors. Attends, tu es Valentin? Mais pas du tout! Je suis. Mais c'est marqué là! Ici! Putain! Mais il est fou lui! C'est marqué en énorme, j'ai fait exprès! Putain! La musique avec le glamien, c'est juste hilarant, ouais, c'est sûr! Il y a une espèce de musique ultra épique! Ah, j'ai voulu mettre de la musique épique, ça a changé un peu parce que j'aime les deux styles, synthwave et épique. Non, Ice Line. Mais non, voilà, c'est une personne. Je suis trompé. C'est marqué là. Merde. Tu me ressembles à elle. Mais oui, peut-être, c'est pas le problème. Il est fou. Putain. Je crois que le Jack te. Ok, d'accord. Team train vs team moto. Le train écrase la moto. Oh bah oui, mais bon, c'est comme. Team train, team avion. Je sais pas, l'avion est plus rapide que le train. Je sais pas, mais c'est nul comme truc. Tu peux très bien dire la moto est plus libre, je sais pas, il y a plein de raisons. Modélise ton pseudo pour le live. Oh, tu veux que je modélise mon pseudo pour le live? Oula, attention, ça va être. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que je modélise mon pseudo? Oula là 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 là, attention. Ah, ça va être, mais ça va être d'une difficulté, vous imaginez même pas. Je suis pas prêt là, je me prépare. Ok. Doucement, doucement. Oh putain, mais c'était horrible à modéliser, je sais, c'était vraiment infâme. Je suis désolé, c'était vraiment très dur. On va faire les petits foufous et c'était incroyable. Attendez, on va même faire pire. Est-ce qu'on peut faire pire? Il est fou. Il donne même le même effet. C'est incroyable. Cet homme ne s'arrête plus. C'était fou. Putain. Incroyable. Appelez. Ma poésie te ressemble. Ok. Alors, là nous avons la double porte. Nous avons. Tout est bon, je pense. On peut plus que texturer, puis ce sera très bien. Hop, voilà, je prends ma petite palette. Tac. Je vais juste fusionner tout ce qui est pareil. Les cadrans, tous les cadrans sont les mêmes. Juste les portes à l'intérieur, je n'ai pas sélectionné. Ok, donc tout est bon. Ok. Hop, là. Sélectionne tout ça. Lui, ok. Ça et ça, c'est la même. Ok. Ah, t'as réussi, c'était incroyable. Franchement, je ne le croyais pas, moi aussi. C'était dur. Plus simple que dans Blender, les textes. Pourquoi tu fais un truc en dessous? Je fais un truc en dessous tout simplement pour les dénivelés de terrain, pour éviter qu'il y ait différents problèmes avec le terrain, tout simplement. Donc là, nous avons ça, nous avons normalement les murs également, c'est la même chose. Les vitres, c'est la même chose. On fusionne. Ok, nous avons les étoiles, nous avons les murs, nous avons les vitres. Cadran, machin. Bah, on a tout, on peut tout texturer sauf les vitres évidemment. Hop, c'est parti. Alors, on est parti. On active. Ok, donc là, on a d'abord les cadrans.
Alors les cadres, on les fait de quelle couleur? On va les faire un petit. C'est un commissariat? Ouais, mais c'est un petit commissariat. On va être sobre, on va faire du gris foncé pour le commissariat. Pour toi, j'aimerais bien une espèce de blanc, c'est pas de sympa. On a des idées. Tu as gagné le droit d'être un modélisateur de pro grâce à la modélisation de ton pseudo. Je sais, je suis un professionnel, je sais faire des pseudos en 3D, c'était plutôt impressionnant. Combien de temps à partir où tu crées le modèle où tu l'ajoutes et tu l'ajoutes dans Nova Life? Ça dépend. Si je veux le faire instantanément, si le projet est ouvert, c'est super rapide. J'ai quasiment. Parce que, en fait, quand on connaît Unity, juste à rajouter 2-3 trucs, je sais où aller chercher, à foutre le modèle, le mettre en préfab, à mettre les mèches, les trucs, les machins, le LOD, bref, l'optimiser, parce qu'évidemment, les LOD, pour ceux qui connaissent pas, c'est le niveau de détail. Et si on est trop loin, faut que ça dise. Non! Écran noir! Incroyable! C'est normal, je sais pourquoi. C'est normal, tout va bien. Bref, et le niveau de détail, c'est hyper important. Donc là, je regarde même pas le chat, je sais qu'on est en train de spammer écran noir. Qui a éteint la lumière? Écran noir, incroyable. Bref, donc ouais, les niveaux de détail, c'est hyper important. Pour optimiser un jeu, parce que sinon vous allez laguer de malade. Parce que nous, on a beau optimiser de partout, on n'arrête pas d'optimiser, vous voyez, je fais tout ce que je peux quand je modélise. On a quand même d'énormes lags parfois. Donc c'est d'une difficulté, vous imaginez même pas. Je vais faire un commissaire peut-être un peu plus clair que le précédent. Un peu plus joyeux. Alors le toit, est-ce qu'on le fait un peu bleu? Non, là c'est moche. Là c'est immonde. Là c'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on choisit? Là c'est pas beau. Là non. Je réfléchis, hein, je regarde, je teste. Sinon je suis libre de faire ce que je veux. Avec cette musique, je suis libre de faire ce que je veux. Non, là c'est carrément les pompiers. En vrai, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas un genre de flow? Je sais pas, là, ça fait hôpital quand même là. Non, j'aime pas trop. On va rester sur du sobre. On va rester sur du sobre. Bonsoir, Daniel, j'ai tout loupé. Oui, tu as tout loupé, absolument tout. Par contre, Kiwi, je vais finir par te mute parce que là, tu pourris le chat pour rien. Parce que ça n'a rien à voir, évidemment. Tu es en train de faire une grosse blague et je crois pour Jack. Enfin, il est en train de raconter sa propre histoire donc Si tu continues, c'est juste que ça m'embête de lire à chaque fois un truc que j'ai pas envie de lire parce que c'est nul. C'est tout. Un gris taupe, bleu gris, un gros MDR. Ouais, un gris taupe. Ben non, un gris taupe c'est censé être marron, moi, plutôt. Un gris taupe c'est plutôt ça, un gris taupe. Un gris taupe c'est ça. Ou ça, à la rigueur. Ou ça, un bon gris taupe c'est plutôt ça, non? Non, on va rester sur un espèce de gris noir. J'aime bien, c'est sympa. Ça reste soft, c'est sobre, c'est très cool. Allez, hop, maintenant on passe à la foundation. Alors la fondation, mais non, ça, on a l'habitude. C'est également du gris. En fait, j'aurais même carrément pu tout fusionner, mais bon, je voulais essayer des trucs. Voilà, donc c'est très bien. Attention, c'était très dur à faire. Mais au moins l'escalier est réparé. Le maire sera très content. Le maire de Riverside. Qui s'appelle, on sait pas parce qu'en fait on n'a pas encore de mer, mais bon, on va faire genre tout va bien. Donc c'est plutôt impressionnant, il va être très heureux. Voilà. Au moins le commissaire a de la gueule, il a une forme un peu plus spéciale. Voilà, j'espère que vous l'aimez bien. Je suis moi, The Electric Car 2018. Allez, allez, bonne fin de live, salut Azor. Voilà, c'est. Le commissaire est terminé. Il est cool. Aucune idée, j'ai juste glissé un terme scientifique. Hein. Mais je pensais à un gris noir comme tu as mis. Ah bah oui, non, ouais, parce qu'un gris taupe, le but d'une taupe. Comment oses-tu te moquer de ma si belle poésie? Bon, c'est un peu. C'est juste que ça a absolument aucun rapport avec le live en fait. C'est surtout ça le problème. Parce que j'ai pas trop lu ce que t'as mis, juste ça m'a. J'ai skip. Valentin m'a dit qu'il allait mettre ma photo sur une pancarte. Oh. Non, j'ai connu, j'arrête, excuse-moi, je me suis emballé un peu, ouais. J'allais me mettre ma photo sur une pancarte. Oh bon, bah je sais pas trop comment il va faire puisque c'est moi, mais si tu l'as dit, bon, pourquoi pas. Hein. Écoute, on verra. Hein. Alors, bon, bah j'ai fini en fait, tout simplement. J'ai plus qu'à trianguliser tout ça. Hop là, on triangulise. C'est incroyable, le modèle est là. Il est fou. Hop, on fusionne tout ce qui a la même palette. RGB, palette. Je vais juste mettre combien c'est vrai. Hein. Non, c'est commis. Putain, mais je glisse des lettres un peu au pif. Saria.
Et là, pareil, c'est vitre commissariat. Hop. Vitre commissariat. C'est le mot que je déteste écrire le plus. On supprime la texture et c'est terminé sur cette musique. Ouais. J'ai pas compris. Bah, en fait, c'est moi qui gère normalement tout. Enfin, c'est même moi qui gère tout le level design de la carte. Tout ce qui est design et graphique, c'est moi qui le fais. Sauf l'HUD. Je gère pas. Ouais, t'arrives à la fin du live, te chérie. Donc, c'est pour ça, si t'as dit qu'il allait mettre ta photo sur une pancarte, oh, j'étais pas au courant. Alors que c'est moi qui fais la map. C'est bizarre. Mais bref. Voilà, là, je suis en des petits trucs. Enfin, bref, vous le visiterez quand il sera in-game. Normalement, l'escalier est enfin réparé. Elle fait un morceau de l'escalier. Voilà. Incroyable. Je mettrai des rambards, je mettrai des trucs, je mettrai. Bref. Comme d'habitude, on va exporter tout ça en FBX. En FBX. Dossier, 3D, structure, civil, commissariat. Hop. Et c'est le deuxième. Incroyable. Enregistré. Ok. Et voilà. C'est donc la fin. Valentin m'a dit une clé Steam VIP. La vie préalpha. Quoi? Ouais, le sondage, on va le faire. On va faire le sondage, t'inquiète pas. Je pense que Valentin me faisait une blague. Possible, oui. Valentin m'a dit une clé Steam VIP à vie préalpha. Je sais pas de quoi tu parles. C'est une blague, je suppose. Oui, on va faire le sondage. Comme vous l'avez vu, donc, pour ceux qui étaient là, il y a une nouvelle barre de vie. Elle a déjà été battue une fois par YoYoTech qui m'a donné, qui m'a fait un don de 10€ puis 5€. Merci beaucoup, YoYoTech. On va donc faire un straw poll pour savoir. Bah, allez-y, mettez dans le chat maintenant. Qu'est-ce que vous voulez que je modélise pour la prochaine fois? Enfin, ou modélise, ou qu'est-ce que vous voulez au prochain live? Dites-moi, je vais mettre ça dans un straw poll. Modélisation, présentation, je sais pas, autre chose. Dites-moi ce que vous voulez. On va faire un straw poll et on verra bien ce que vous voulez. Enfin, ce que vous voulez. Je vais skip, ce qui est nul, hein. S'il y a des trucs vraiment nuls. Mais allez-y, mettez-moi, je fais le straw poll. Valentin m'a dit une clé Steam VIP. Je sais, mais j'ai pas compris ta phrase surtout. Allez-y. Sinon, on fera ça la prochaine fois, hein, pas de problème. Hein. Un bâton. Réjolis de. On va voir ce que c'est. Ça. Qu'est-ce que c'est qu'un Réjolis? Allez-y, un proposé, je vais aller voir. De N. Un hélicoptère. Un véhicule de SAMU. Ah, j'aime bien. Un véhicule de SAMU. Un hélicoptère. Ouais, j'ai déjà fait un hélicoptère, mais on peut. Je peux en faire un. Plus joli. Pour le. Pour. Je sais pas, pour machin. Enfin. Prochain live. Voilà. Prochain live. Hop. Donc, c'est quoi un Réjolis de N? Mais oui, mais tu me donnes un truc, mais. Réjolis peut-être? Ah, c'est un train! Réjolis! Si tu veux, mais non, mais ça ressemble trop à un tramway. Non, je vais pas faire un train, hein, c'est nul. Ça ressemble trop au tramway, puis en plus on n'aura pas les trains avant un long moment, donc excuse-moi, j'ai pas envie de faire un train, j'ai juste pas envie en fait. Parce que j'ai déjà fait un tramway, puis c'est à peu près la même chose. Un tramway moderne sans accordéon, ok. Un véhicule de SAMU, j'aime bien ça. Un véhicule SAMU. Un bâton, c'est bizarre. Un véhicule du SWAT, j'en ai déjà fait un, je crois. Non, mais j'en ai fait un similaire, mais pas en live. Véhicule SWAT, on verra bien. Hashtag, je suis toujours pour Team Helicole, je te rappelle. C'est vrai, la plupart ils sont déjà pour les hélicoptères, c'est vrai. Est-ce qu'on a d'autres propositions? On en a trois, j'aimerais bien une quatrième. Est-ce que je pourrais avoir une quatrième? Est-ce que je pourrais avoir une quatrième? On va voir. Est-ce que des gens ont des idées? Parce que la plupart sont pour hashtag Team Helicole. Je pense que la Team Helicole va exploser le truc. Parce que la dernière fois, ils ont perdu face au tramway, face à la team tramway. Ils étaient fous, la team tramway, team hélico, il y avait les deux. C'était plutôt incroyable. Une guerre sans merci. Il y a du sang. Un bon Huawei P20 Mat Pro. On va aller voir ce que c'est. Un bon Huawei P20. Mais Huawei, c'est des téléphones? Non. Mat Pro. On va aller voir. Pourquoi pas modéliser un téléphone? Ça pourrait être drôle. Ah oui, c'était bel et bien un téléphone. Eh bah quoi, j'ai jamais modélisé de téléphone, donc ce serait original. On va mettre un téléphone. Je vais mettre entre parenthèses téléphone. Même si bon, Huawei, ça peut pas être grand chose. Non, en France, c'est le JGN. OZEF, je m'en fous, c'est pas grave. OZEF, c'est pas grave. C'est vrai, c'est le JGN, y a pas le SWAT en France. Mais c'est le véhicule du JGN, si tu veux. Alors, on va mettre JGN parce que je sens que tu ne seras pas le seul à faire la remarque. JIGN. J'ai qui, Melico? J'aurais bien aimé les kits, par exemple, le kit d'un métier en particulier où tu modélises des props. Ah, je l'ai déjà fait, c'est vrai. J'ai fait le policier, par exemple. Propose, hein, je sais pas, tu mets. Je sais pas, fermier par exemple,
Journaliste, allez, vas-y. Un PC, déjà fait les PC. Fais un Stropole. Le Stropole est en cours, hein. Je prends vos idées d'abord. Oui, le smartphone. Alors, on essaye. Est-ce que quelqu'un a une dernière idée, peut-être? Est-ce que quelqu'un a une The last idea? C'est un téléphone intelligent, effectivement, un smartphone, c'est un téléphone intelligent. C'est vrai, c'est vrai. On est dans le véridique. On est dans le tu ne mens pas. Une dernière idée. Why not, peut-être? J'ai envie de voir. Tu préfères quelle idée dans les 4? Je vous le dirai à la fin. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas tout, hein, je me renseigne. Ouais, enfin. Des maisons de luxe. J'en ferai, mais peut-être plus tard. Putain, c'est stylé, hein. La vache. Faites des skins pour les persos. Ouais, mais ça, c'est pas du 3D en fait. Un bateau! Un bateau, c'est vrai, ça, j'ai. Le plus gros bateau que j'ai fait, c'était un cuirassé de la Seconde Guerre mondiale. Il était incroyable. Je l'aime. J'ai pris 9 heures de modélisation. Et pourtant, vous le savez maintenant que je modélise pas non plus très lentement. Surtout que je modélise plus vite quand je suis pas en live. Poubelle de ville, j'en ai déjà fait. J'ai déjà fait tout ce qui est déco de ville. Alors, mais pas obligé, finalement, ça peut être long. Non, non, c'est pas très long, ça va. Un bateau, en tout cas, ça peut être un plateau TV. Oh, un plateau TV. Pourquoi pas, plateau TV, ça me va. Enfin, modéliser ce qu'il y a sur un plateau TV. Je vais mettre objet parce que si ça sert à rien de me dire juste un plateau TV. Ouais, me disait un plateau TV, un petit truc. Ouais, j'aime bien le plateau TV, c'est une bonne idée. Bon, une sacoche, non, une sacoche c'est... avec plusieurs studios. Ouais, non, mais ça c'est pas après. Je vais pas me dire de bâtiment parce que c'est pas intéressant. Le bâtiment c'est comme les autres. Mais je me disais un petit peu bah, les caméras, les trucs. J'ai déjà modélisé ma caméra en tout cas, celle qui me filme ici. C'est une belle caméra. C'était pas une webcam, hein. C'est une caméra sur trépied avec différents trucs, tout sympathique. Une gare de tram. Ah, une gare de tram. Eh bah dis donc, on va avoir le choix. Hein. Oh, je sens que regarde les finales et tout. Une gare de tram, j'aime bien. Une gare de tram. Alors, est-ce qu'on a d'autres idées, les dernières idées? C'est qui trouve des bonnes idées à chaque fois? C'est bon. Voilà, t'es pas le seul non plus. Eh, t'es pas mal. Plateau TV, j'aime beaucoup. Non, oh, j'aime bien hélico, bateau, plateau TV, gare de tram. Le YP20, c'est original. Véhicule GGN, j'en ai déjà fait à la rigueur. Véhicule SAMU, c'est pas mal non plus. Mais j'en ai déjà fait, enfin pas des véhicules SAMU, mais j'en ai déjà fait similaire. C'est pas très dur à faire. Cool. Bon, on va faire le Stropole. Stropole. Je vais passer à la musique parce que la musique elle est genre ultra épique, mais bon, c'est pas non plus. Du coup, de faire une vidéo setup. Pff, oh, j'en ai pour 3 plombs de faire une vidéo setup avec tout ce que j'ai derrière, mais. Peut-être pas maintenant, sachant que tout mon matériel n'est pas encore ici. J'en ai encore à mon appartement, il faut que je le rapatrie. J'ai encore des projecteurs qui sont pas là, j'en ai deux. Là j'ai deux softbox, c'est pas très compliqué en fait. Deux softbox, j'ai une caméra là, j'ai une autre caméra que j'ai pas ici, j'ai quatre trépieds, j'ai 5 écrans, j'ai 6 claviers, j'en utilise pas 6 mais j'en ai 6. J'ai des cartons de souris, j'ai des bras, micro partout, j'en ai un là, j'en ai un là-bas, avec micro évidemment. Voilà, j'ai des trucs partout, je me suis fait mal. J'ai un gros tordi, bref, voilà. Un magasin déjà fait. Bon, allez, on fait le Stropole, je vais vous donner le lien, hop. Je vais vous balancer le lien. Putain, mais il m'a fait mal, il m'a griffé l'autre con. Hop, allez-y. Ça spam. Ah, putain, le con. Alors, moi, je vais voter, et on va réfléchir. Je vais voter, mais qu'est-ce que je prends? Alors, parce qu'il y en a plusieurs qui m'intéressent, je vous cache pas. Il y en a. Alors là, je suis en train d'en éliminer certains. Non, ça m'intéresse pas du tout. Ça non plus. Ça, non. Ça, c'est bien, ça. Allez-y, votez. C'est le suspense. Après, je vais même mettre le Stropole sur Discord. Comme ça, même quand je serai pas en live, les gens pourront répondre. Hop, petit Stropole pour. La prochaine modélisation. Un remerciement. Bah, je vais mettre des 15€ de yo-yo du coup. Des 15€ de yo-yo. Bah, non, puisque sinon c'est lui qui choisirait. Mais un remerciement de la première barre boss tuée, entre guillemets. Elle est sur la rediff, vraiment. Hop là, petit Stropole.
Je vais voter ça peut-être. Ou ça, bon allez. Appelez. On vote ça. Alors nous avons deux votes pour le véhicule de SAMU, un pour l'hélicoptère, un pour le GIGN, un pour le bateau, un pour le plateau TV et un pour la gare de tram et zéro pour le téléphone. Il y a déjà un hélico. Le SAMU sert à rien. Bah donc Electric Car lui dégomme tout le monde. Ah c'est de la merde ça, puis ça c'est nul. Ah mais bon, sachez que l'ancien hélicoptère n'est pas non plus. Bon, je l'aime pas trop, je vous cache pas. Donc dans tous les cas je referai un hélicoptère, mais après, qu'est-ce que je fais en live finalement? Parce que je fais quand même pas mal de choses qui ne sont pas en live évidemment. J'ai une série, il y a la police, le SAMU sert à te sauver la vie. Le SAMU sert à. Oh mais Electric Car dans le mode faites-moi bah putain. C'est quoi qu'il veut lui? C'est quoi qu'il voulait Je sais pas ce qu'il voulait Electric Car. Une gare routière, là, Electric Car, il a fait gare de tram, gare routière, là, il est dedans. Là. Une base militaire, ça arrivera, mais pareil, ça peut. Une base militaire ne peut pas être faite en live. Un auditorium, putain, original. Un sous-marin. Un sous-marin, ouais. Une base militaire, ça peut pas être fait en live, c'est un truc qui est trop secret. La gare de tram Yo sera plus libre. Alors, le plateau TV a 3 votes, là. De toute façon, on va attendre, ça va voter au fur et à mesure. Et puis je regarderai ça, on aura les résultats au prochain live, on prendra. J'ai eu besoin de SAMU. Mais oui, mais toi, oui. Ah, tu es vachement égoïste, dis-moi. Plateau TV, 3 votes, ouais, effectivement. On verra ça au prochain live, donc là, ça va être la fin du live. Hop, le mode studio, dites-moi que ça lock, ok, c'est bon. Hop, ça va être la fin du live et je vous dis à la prochaine. Attendez, hop, ah, je spoil pas. Ok. Attention, ça va partir sur une musique. Non, hop, coupe le son. Attendez, hein. Hop, je prends juste celle-là, c'est laquelle? C'est celle-là, elle est incroyable, celle-là. Ok. On va partir sur une musique qui va taper, c'est du synthwave pour la fin. En tout cas, le SAMU serait très stylé de se lever. Ok. Et là, on est parti. Et allez-y voter, allez influencer les gens sur le Discord. Allez dire, votez partout, voilà. Sur Twitter, non mais j'abuse évidemment, mais bon. Allez voter, essayez de ramener les gens à votre cause, on verra bien, puis on me dira ça sur le prochain live qui arrivera peut-être ce soir, tout à l'heure, je sais pas, on verra bien. Ou demain, non mais normalement il y en a un autre ce soir, on verra bien. Et je vous dis, salut et à la prochaine.